Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes en direct du studio numéro 1 de la télévision algérienne. Nous allons passer une heure ensemble pour parler de l'actualité du sport avec nos consultants, notre invité de marque ce soir. Nous allons parler de l'activité sportive qui s'est déroulée cette semaine avec la bonne prestation et les bons résultats de nos représentants en compétition africaine. Nous allons parler aussi de l'équipe nationale, de nos pros. Et nous allons parler aussi de Dame Coupe qui a débuté cette semaine avec les compétitions. Toujours avec nous, comme d'habitude. Alors, cette fois-ci, on va commencer avec M. Laribi. Ahmed, bonsoir. Bonsoir, Ousila. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir d'abord à nos chers amis sportifs. Et comme chaque dimanche, très heureux de vous accompagner. C'est tout l'honneur est pour nous. C'est un plaisir. Monsieur Touzi Djilali, j'espère qu'on aura le temps de parler de tout ce soir. Espérons qu'on aura le temps. Bonsoir aussi là, bonsoir toute l'équipe. Et bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Ils viennent tout juste d'arriver. C'est le retardateur de l'émission, mais il est toujours là, il est présent. Il vient pour assister avec nous et pour nous donner le meilleur de lui-même. À notre émission Canal Foot, notre ami Houchine. Oui, bonsoir, voici là. Faut surtout pas remuer le couteau dans la plaie. La circulation ce soir, embouteillage, je vous le dis pas, au niveau des banalines. Enfin, content d'être parmi vous ce soir pour espérer, bien évidemment, vivre une très belle soirée. Partagez, merci. Et ce soir, nous avons un jeune, un Algérien, qui fait beaucoup de bien pour le football à l'étranger et en Algérie. Donc, il est éducateur au Djad de Drancy, responsable de l'école 1 de football Paris Pouchet, formateur des éducateurs au niveau de la Ligue régionale de l'Île-de-France. Donc, c'est monsieur Adlène Bouabèche. Bonsoir. Bonsoir à tous, Zulf Laoun. Écoutez, je vous remercie pour cette invitation. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir. Bon, moi, j'ai pas eu de problème de circulation. Je suis venu à pied parce vous que vous êtes juste à côté. Ah, vous habitez juste à côté du boulevard. J'habite juste à côté. J'ai grandi ici et puis je suis à domicile ce soir. Vous avez de la chance. Vous allez changer à côté. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes un jeune Algérien. Donc, vous êtes ici en Algérie pour donner des conférences. Donc, vous êtes la première fois que vous êtes venu en Algérie. C'était En 2013, la première. Voilà, en 2013. Vous avez animé une conférence dans la ville dans votre ville natale. Dans ma ville natale. Tadmelt. Dans ma ville natale de Tadmelt, oui, exactement. De Tadmelt, ah, voilà. C'est chez moi, là, c'est à côté. Hein. Ah, c'est à côté, voilà, bien. Vous êtes des voisins. Il va nous oublier ce soir, Mohamed Houchine, avec notre invité. Et là, ce soir, enfin aujourd'hui, cette fois-ci plutôt, vous êtes venu en Algérie pour donner deux conférences. Tout d'abord dans la ville de Tadmelt. Et la dernière conférence que vous avez animée, on s'excuse, on aurait aimé assister à cette conférence, c'était à une des académies de football, voilà, exactement. À l'Afron. Donc j'explique, vous êtes un éducateur, des éducateurs. Exactement, je forme les éducateurs. Donc, très bien. Et comment que ça se passe? Ben, écoutez, c'est les clubs en général des différentes villes aux quatre coins de l'Algérie qui font appel à moi. Ben c'est la magie des réseaux sociaux, vous savez, parce que je suis vachement présent sur les réseaux sociaux, donc on fait appel à moi. Vous savez, l'éducateur algérien est quelqu'un de passionné et qui a envie d'apprendre. Donc on me demande souvent la façon de travailler en France. Donc la question m'a été trop souvent posée, parce que beaucoup d'éducateurs veulent venir en France pour avoir du contenu d'entraînement. Donc je suis parti de l'idée qu'au lieu que les gens se déplacent pour venir se former, je me suis dit, moi je vais me déplacer et apporter ce savoir-faire et essayer ce contenu de travail. Donc c'est ce que je fais depuis quelques années. Et vous, est-ce que vous avez une idée combien d'académies existent en Algérie, à peu près? J'ai aucune idée de ce qui peut se faire en termes de nombre, mais la seule idée que je peux avoir, c'est que tous ces éducateurs qui sont à la base dans les écoles de football sont des éducateurs très dévoués, qui ont une énorme soif d'apprentissage. Et puis moi, en tant qu'Algérien tout court, je me dois de leur apporter mon aide et mes modestes compétences.
À très bientôt. Vous allez rester avec nous. Nous allons sûrement parler de la formation. C'est l'objectif en tout cas. Il y a beaucoup de travail qui doit se faire dans les prochains jours. C'est la base du niveau et l'avenir du football algérien. Je pense qu'il y a quand même assez d'académies, mais le plus important, c'est la formation dans les clubs surtout, la formation des jeunes catégories pour avoir une pépinière, c'est ça ? Pépinière. Une pépinière des futurs joueurs algériens du football. Justement, ce soir, le football algérien vient de perdre une icône avec le décès de l'ancien joueur de l'équipe nationale des années 60-70, le marhoum Tahar Ben Farhat, suite à une longue maladie. Il avait fait donc ses débuts dans un club de sa ville natale, hein, la jeunesse de Tiaret. On peut voir les images, Youssef, hein, ce n'est pas une image fixe, donc on va voir un petit peu, c'est un reportage qui a été réalisé il y a quelques années avec notre ami Miloud Ismail. Donc on peut voir des images un petit peu de le marhoum Tahar Ben Farhat. Donc il a commencé dans sa ville natale, hein, l'équipe de la jeunesse de Tiaret. Ahmed Larribi, nous avons discuté tout à l'heure, vous connaissez très très bien le marhoum. Il était surnommé dans le temps, enfin à l'époque, par la presse brésilienne, le Brésilien africain. Il a joué à côté de grandes figures du football national telles que Salber, Lalma, Zitoni, Mokhloufi et d'autres. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ahmed ? Oui, tout ce qu'on peut dire sur ce bonhomme, c'est un type qui a toujours été exemplaire. D'abord, il avait un gabarit très impressionnant. Mmh. C'est un axial. Il a joué aux côtés de Mohamed Madani Larahmou, que j'ai eu l'occasion de jouer avec à l'époque au CRB, quoiqu'il est encore plus âgé que moi. Et puis, c'est un gars qui a toujours été un modèle de joueur parce que, d'abord, il était très gentil. Et puis, vers la fin, il avait ouvert un salon de thé. Et ce salon de thé a été vraiment ouvert, beaucoup plus pour les sportifs qui aiment le football. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que l'Algérie vient de perdre une icône parce que ce monsieur a joué dans le très haut niveau. Il était capitaine d'équipe des années 60 et les années 70. Et puis on l'avait surnommé le Caïd de Tiaret. Et puis vous savez, l'Illahima Ata'a, l'Illahima Akhad. L'Illahima Tuzi. Oui, moi je ne connais pas parce que j'étais jeune, mais... Oui, mais vous avez sûrement entendu parler de lui. Regardez, il fait partie de l'équipe, de cette équipe... Qui a participé. C'est comme tous les grands joueurs qui sont passés par notre équipe nationale. On peut dire que Allah yirhamo, Rabbi yusa'ali, Inch'Allah, ou sabr la famille tout. Moi, je peux vous confirmer que c'était un grand joueur que j'ai eu le plaisir, l'honneur d'avoir côtoyé à l'époque. Je l'ai même interviewé dans des matchs. Je l'ai même connu chez lui à Tiaret, la GSM Tiaret qu'on appelle familièrement Zaga. Vous avez assisté à ces matchs? Oui, c'était un grand joueur qui joue en équipe nationale et je peux même vous dire, si mes souvenirs sont bons, qu'il a même fait partie de la sélection africaine à l'époque à Mexico sous la direction de Rachid Mokhloufi, n'est-ce pas? C'était un très grand joueur. Maintenant, quant à le taxer de Brésilien, je ne pense pas. Il n'avait pas le profil brésilien. Si, il avait ses notés sur des... Oui, mais d'accord, chacun peut interpréter c'était comme côté il technique. Veut, mais ouais. Disons qu'il était costaud, comme l'a dit Ahmed, véritable bulldozer, il traversait tout le terrain à l'époque, il avait une frappe de balle phénoménale. Sur un coup franc à 30-40 mètres, il casse la baraque et c'est le grand souvenir. Et puis, comme l'a dit Ahmed, c'était un grand cœur, un brave homme, un sportif exemplaire. En tout cas, la presse brésilienne l'avait surnommé à l'époque... Le Brésilien africain, c'est toujours c'est une perte pour le football national, mais c'est des gens qui ont réellement, c'est des joueurs qui ont réellement marqué le football national. Sauf que je voulais dire que dans la sélection africaine, il y avait des garçons comme Abdelhamid Salahi, qui était beaucoup plus technicien, que j'aurais taxé de Brésilien peut-être, mais pas Et vous m'avez rappelé là, il était aussi reconnu par son fair play, par son éducation sur le terrain. Oui. Mais je voulais, mais déjà, je pense que c'est une perte pour l'Algérie tout entière et pour le football algérien. Donc nous sommes tristes par cette nouvelle. Et puis nous présentons toutes nos condoléances aux parents. J'en profite aussi pour présenter mes condoléances à la famille Ferraoui, à Kader Ferraoui, l'ancien international algérien qui vient de perdre sa maman cette semaine-là. Donc, c'était une mauvaise semaine pour le football algérien en général. Kader Ferraoui, ancien joueur de Montpellier. Ancien joueur de Montpellier, de grand joueur, l'équipe Saint-Etienne.
Cannes, il a joué en sélection nationale très aussi. Très beau milieu de terrain. Magnifique. Je voulais dire que Pota Benfarhat, il a terminé pendant plusieurs années comme entraîneur de la GSNT aussi. Il fallait souligner ce soir. Très bien. Donc, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Alors, Adlène Bouabesh, vous m'avez dit tout à l'heure dans les coulisses, vous avez l'habitude de regarder notre émission. Oui, je regarde. Alors, vous vous rappelez de notre rubrique incontournable? La première rubrique? Je regarde souvent votre émission parce que je suis souvent sur le terrain, donc dès que je rentre chez moi, je me mets un peu sur les... Allez, c'est pas grave. Mais normalement? Vous allez me rappeler, puis ça va revenir très vite. Alors, c'est Aller les Verts. Nous allons un petit peu faire le tour avec nos pros à l'étranger, l'équipe nationale qui affrontera l'équipe du Qatar dans moins de 3-4 jours. Le 27, voilà. Donc, restez avec nous, ça sera juste après Jingle. Voilà, nous allons commencer par la sélection nationale. Donc l'équipe nationale affrontera l'équipe du Qatar le 27. Ça sera un match à huis clos. Personne ne pourra voir évoluer les jeunes participants, les jeunes joueurs algériens. Donc ils sont rentrés en stage depuis le 20 décembre à l'école, plutôt à Sidi Moussa. Ils étaient 18. D'habitude, le sélectionneur Jamel Boumadi fait appel à 23 joueurs lors des matchs officiels, des sélections des matchs officiels. Là, cette fois-ci, c'est comme un match amical. Il y a eu uniquement 18 joueurs. Donc, il faut rappeler que l'équipe nationale donc, aura un long voyage de 7h30. Pour lui, c'est une opportunité pour ces jeunes d'aller affronter. C'est une grande équipe qui est l'équipe du Qatar, une équipe qui a battu la Suisse et a fait un match nul face à l'Islande. Elle a battu aussi l'équipe de l'Équateur, une équipe de qualité. Et c'est un test et une très très bonne opportunité donc, pour nos jeunes représentants. Donc c'est une occasion pour eux de s'affirmer et de montrer aux sélectionneurs qu'on est là. Il faut le rappeler que c'est une sélection. Il n'y aura pas beaucoup de professionnels. Ça sera formé beaucoup plus de locaux. N'est-ce pas, Ahmed? Tout à fait, oui. Mm-hmm. Et puis, ce qu'il faut dire de cette sélection, des joueurs qu'il a convoqués, en parlant du nombre 18, donc c'est l'équivalent de 11 joueurs qui vont rentrer, il va y avoir 7 remplaçants. Et ça sera l'occasion que tout le monde puisse, ne serait-ce que jouer. Oui, parce que Belmadi a toujours crié très fort en disant que c'est son mode de fonctionnement. Là, j'ai envie de parler d'une petite précision concernant le compartiment défensif. Il a convoqué 6 joueurs. Donc, il y a sur les côtés, il y a deux doublures. Il y a Lossif, il y a Hlemia. Et puis, côté gauche, il y a Chetti, il y a Lamara, Doulé Sembelabès. Par contre, au niveau axial, il n'a fait qu'appel qu'à Benihia et à Bedran. Ce qui veut dire que, d'abord, déjà, il commence à composer son 11 futur. Parce que, en intelligent qu'il est, il essaie de s'appuyer beaucoup plus sur le facteur jeunesse. Ça, c'est intéressant. Parce que quand on voit l'âge de ces joueurs locaux, avec l'incorporation de, si vous voulez, entre guillemets, professionnels Bleili et Bounjah. Donc, je pense que cette liste est considérée comme parmi les gens qui la composent, des joueurs, c'est les meilleurs actuels. Ça, pour le moment, parce que lui, il part du principe que moi, je fais appel aux gens qui sont en forme le jour J, mm-hmm. qui ont de la compétition. Je pense qu'un gars comme Boudaoui de Paradou, voici là, mm-hmm. c'est un excellent joueur. Autre joueur aussi de Paradou qui est Lucif, latéral droit, il a la même configuration que le joueur Attal. Donc, on le souhaite de bonne chance. T'as tout dit. Donc, pour Jamel Boumadi, il va voir ses joueurs évoluer au niveau international. Oui, mais comme on le sait déjà, c'est que au début, il n'avait pas le temps de voir ces joueurs-là. Il était beaucoup plus préoccupé par l'équipe A et surtout par la qualification. Mais d'après, pardon, ses déclarations, quand même, il les suit de très très près. Oui, j'arrive. Même s'il, voilà. Donc, il était préoccupé par la qualification pour la CAN 2019. Maintenant qu'il a le temps libre, et il a choisi les meilleurs joueurs du championnat dans leur club. Et aussi les meilleurs pendant la phase aller. Et la majorité des joueurs sont composés de l'USMA d'Alger et de l'Entente Licitif. C'est des joueurs qui ont déjà joué la compétition africaine, donc c'est des joueurs qui ont une certaine expérience. Et je pense que le match du Qatar, qui ont pratiquement le même niveau que ces joueurs-là,
c'est un bon test pour ces joueurs pour confirmer et s'affirmer dans leur choix. Voilà. Donc, et Monsieur Houchin, c'est quand même un peu dommage de ne pas pouvoir voir ces jeunes jouer, évoluer dans ce genre de compétition, même si c'est un match amical et tout. Ah oui, mais là, vous me tendez la perche. Effectivement, c'est une grosse frustration. On aurait bien voulu voir ces jeunes véritablement donc lancés sur la scène internationale. Ahmed a parlé des jeunes, les Loussifs, excellent Chetti, le défenseur de la JS Kabylie venu de l'US Chaouia, 23 ans, il est en train vraiment d'exploser. C'est tout à l'honneur en tous les cas de Wezavi Hlaimi aussi du Mouloudia d'Oran. Et revoir des jeunes gardiens aussi, comme Salahi, comme Zorba, c'est toujours une bonne chose. Maintenant, quand vous parlez de Belaïli, de Bounjak, ce sont, je considère, même s'ils sont professionnels depuis 2-3 ans, je les considère comme des joueurs locaux. Ils ont été formés par le football algérien. Ils ont grandi dans les clubs algériens. C'est tout à l'honneur en tous les cas. Vous me parlez maintenant de Belmadi qui s'intéresse à tous les joueurs. Oui, c'est à tout son honneur, mais aussi à l'honneur de tout son staff. Ils sont là, des conseillers qui sont là pour lui conseiller tel ou tel joueur. Et donc, il n'y a pas que lui qui voit. Il a un fichier. Puis dès qu'on lui annonce quelqu'un, il le coche sur ses tablettes. Je parlais aussi du directeur des équipes nationales, mon ami Hakim Meddel, qui connaît bien le salue, hein. Algérien. On le salue ce soir, bien évidemment, même s'il nous manque depuis quelques temps. Il faut l'inviter. Hein. Vous êtes invité, monsieur Hakim Meddel. Voilà. Donc, c'était quand même une bonne chose qu'on a dit. C'est préparer l'avenir de l'équipe nationale. C'est l'antichambre de l'équipe nationale. Et pourquoi pas viser des horizons plus ou moins lointains. Et Adlan Bouabesh, donc vous suivez certainement de très près aussi l'équipe nationale avec le nouveau sélectionneur, avec cette nouvelle équipe. Hein, enfin, elle est un petit peu composée entre les anciens et pas anciens, ils sont toujours à la page. Donc, quel est votre déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique? Qu'en pensez-vous un petit peu de la reprise de l'équipe nationale? Mais écoutez, on a souvent reprocher aux autres sélectionneurs de pas donner leur chance aux jeunes joueurs qui jouent dans le championnat algérien. Parce que moi, j'aime pas trop ce qualificatif qui dit joueurs locaux, joueurs professionnels, etc. Au moins, il a le mérite de faire des stages pour regrouper tous les joueurs du championnat. Et là, ça va être, après, j'ai envie de dire, ça va être à eux de jouer. Il leur donne leur chance, il fait un stage, on va en match amical, et puis ça va être à eux de faire leur preuve. Et puis de tout ce groupe-là, si on peut tirer 2-3 qui peuvent intégrer après la sélection, ça serait une très bonne chose. Au moins, il donne la chance à tout le monde, et c'est une très bonne chose. Très bien. Donc on reste toujours avec les équipes nationales, mais cette fois-ci avec cette équipe des U17. Ahmed Larribi, l'équipe des U17, cette semaine, ils ont battu leur homologue, la Libye, sur le score de 1-0. Et on voit que ça bouge aussi au niveau de ces jeunes catégories. Oui, tout à fait. Aussi, là. Je peux vous dire et le certifier que cette équipe des U17 renferme des éléments vraiment très intéressants. Parce que d'abord, ils sont sur le plan technique, ils sont excellents. Et puis, participer à l'UNAF, il y a 6 pays qui participent. Il y a le Sénégal, il y a la Mauritanie, il y a la Libye, il y a le Maroc, la Tunisie et l'Égypte. C'est vrai que d'entrée, on est arrivé à battre la Libye 1-0. Vous savez, les Libyens ne sont pas dans leurs meilleures conditions. Mais je peux vous dire que le prochain match contre le Sénégal, c'est un match pour moi vraiment très révélateur. Parce que là, il va y avoir une certaine opposition. Et c'est à nos U17 de prouver qu'ils sont bons et aller vers l'avant. Et pour l'encourager, c'est le jeune Mansour, hein, suite à un corner, qui a inscrit le premier but, le but, à la deuxième minute de jeu. Et l'équipe algérienne qui est classée première ex aequo de son groupe avec le Sénégal. Je crois que les deux équipes doivent se rencontrer demain ou plus tard mardi pour définir, bien évidemment, le fauteuil de leader dans ce groupe. Allez. Donc, bonne chance pour nos jeunes catégories. Et on est toujours là pour donner le maximum d'informations pour les encourager et d'aller vers l'avant. Allez, Monsieur Houchin, nous avons des informations concernant nos pros. Donc, je sais que vous êtes tout le temps près de votre téléviseur pour un petit peu suivre les professionnels qui jouent à l'étranger et beaucoup plus en Europe aussi. Donc, nous allons commencer avec Mahrez, qui est votre joueur fétiche. Oui, malheureusement déçu pour Riyad Mahrez, donc dans l'équipe, à
concéder une surprenante défaite. Vous savez qu'ils étaient à un point du leader, le Liverpool. Vous ne voyez pas que Liverpool va gagner à l'extérieur 2-0 grâce à un excellent Mohamed Salah, l'Égyptien qui a marqué un but, il a offert le deuxième but. Et patatras, on s'attendait. Le Manchester City qui recevait Crystal Palace, qui était en position de relégable, il se fait battre à la surprise générale. Malheureusement, Mahrez n'a pas été titularisé et je pense qu'il aura manqué véritablement à son équipe. Défaite inattendue, 3-2, ce qui facilite la tâche à Liverpool qui distance ainsi son dauphin de 4 points, c'est dire que Liverpool est bien parti. Dommage pour Mahrez. D'autres joueurs se sont illustrés. Attal, alors celui-là, c'est un véritable régal. Moi, je conseille à tous les Algériens, on n'avait que des yeux pour Mahrez, mais ce gosse, Attal, Youssef Attal est en train de faire le spectacle, le show dans le championnat de France. Il y a une semaine, quelques jours, contre l'AS Saint-Etienne, il a fait ce qu'il a voulu, balle au pied. Mais quelle audace, quelle insolence technique. Moi, je l'appelle comme ça. Il se permet, il a dribblé toute la défense stéphanoise pour écraser un ballon sur la transversale, il fallait le faire. Hier, ils ont perdu contre Strasbourg, mais il a slalomé là aussi au niveau de toute la défense alsacienne. Il va provoquer un pénalty. Malheureusement, il a été raté, et ce qui a confirmé la déroute de l'OGC Nice. Mais je peux vous dire que son entraîneur, Patrick Vieira, est véritablement très heureux d'avoir une pépite, Ahmed. Oui. Une pépite. Une pépite d'or. Une pépite. Et puis, je voudrais terminer encore pour dire que cet après-midi, une bonne prestation de nos internationaux, le FC Porto, toujours sacré leader et solide leader du championnat du Portugal, qui va battre le Rio Ave avec un premier but, 2-1, premier but de Yassine Brahimi qui est en train de flamber. Et puis en Turquie, notre Sofiane Farouli avec Galatasaray qui va battre 4-2 l'équipe de Sivasspor, c'est l'équipe de Medjani qui lui était remplaçant, mais en tout cas titulaire indiscutable, Farouli qui a même marqué le deuxième. Et M. Touzi Bounjah, beaucoup parle de ce titre, hein. Pourquoi pas le ballon d'or d'Asiatique. Mais écoutez, on en a déjà parlé auparavant, Bounjah. On s'excuse pas. Non. On a encore, parce non, que je là, voudrais, la non, presse en parle en ce moment. Par voilà. rapport à ses prestations, je pense qu'il n'a plus rien à prouver au Qatar. Je pense qu'il est temps qu'il change de club, qu'il part vers... D'autant plus qu'il est sollicité par des grands clubs européens. Je pense que l'opportunité est là pour pouvoir aller dans un grand club et progresser beaucoup plus et donner le meilleur de lui-même. Et je pense que c'est dans l'intérêt du joueur et de l'équipe nationale. Donc il a beaucoup de chance d'avoir ce titre, ce trophée, ballon d'or. Bien sûr, par le nombre de buts qu'il a inscrit, je crois qu'il a inscrit plus de 50 buts. C'est déjà... C'est pas mal pour ce joueur-là. Et je pense qu'il a grandement le mérite d'être transféré vers un grand club. Très bien. Ahmed Larribi, la dernière fois, nous avons fait un pari et on a réussi ce soir. C'est l'Afrique du Sud. Oui, on a vaincu Mohamed parce qu'il voulait avoir l'Égypte. Moi et Djilal, on avait dit que... Moi aussi, j'avais dit. Hein, j'étais la première à dire. Oui, c'est vrai. L'Afrique du Sud. On aurait souhaité l'Égypte. Au moment où elle a déjà organisé l'expérience, la Coupe du Monde, elle a d'excellentes infrastructures là-bas. Énorme, oui. Mm-hmm. C'est vrai, est-ce que le choix de l'Afrique du Sud, je pense d'abord aux joueurs, parce qu'ils vont sortir d'un championnat très, très fort. Différents championnats africains, européens. Et puis, l'avantage, c'est qu'à cette période-là, si vous voulez bien savoir, le climat est très doux, donc c'est intéressant. Il ne fait pas tellement chaud, c'est un peu humide. Donc, ça prouve que le choix de l'Afrique du Sud a été vraiment très réfléchi. Et c'est bon pour les joueurs, beaucoup plus pour leur forme sportive, parce que c'est vraiment très délicat. C'est à ce moment-là que l'ensemble des pays auront besoin de très très bons préparateur physique. L'Afrique du Sud qui a fait honneur au continent africain pour avoir organisé le premier seul mondial, c'était en 2010. Il faut rappeler que l'Afrique du Sud a organisé une Coupe d'Afrique des Nations, c'était je crois en 1996, remportée avec une finale mémorable contre la Tunisie à l'époque. Ouais. C'était juste après avoir vaincu l'apartheid. Vous savez que la Fédération africaine d'Afrique du Sud a été
a été suspendu par la Confédération africaine vis-à-vis de sa politique raciale d'apartheid à l'époque. Et le jour donc où ils ont pu régler, surmonter tous leurs problèmes raciaux, là, ça a été réintégré. Et deux ans après, l'Afrique du Sud, je me rappelle, en 98, j'étais à la Coupe d'Afrique des Nations à Ouagadougou, ils ont fait véritablement campagne pour organiser leur mondial. C'était le pro-mondial, le premier mondial sud-africain, premier CAN sud-africain. C'était un événement dans les annales du football continental. Voilà, donc nous allons passer au football national avec la participation de 4 clubs en compétition africaine. Très très bonne nouvelle, donc 3 sur 4 ont réussi à composter leur billet de qualification pour le prochain tour. Nous allons commencer, Youssef, si c'est possible, avec, il n'y a pas longtemps, il y a quelques, disons deux heures, l'AGSM Saoula, donc une qualification historique pour les sudistes face à cette équipe marocaine de Tanger, c'est ça? Tanger. Voilà, même si en match retour qui s'est déroulé tout à l'heure à Tanger, donc qui s'est achevé en faveur de l'équipe locale, donc 1-0, l'équipe algérienne, la GSM Saoula, a réussi à se qualifier pour le prochain tour, une qualification historique, Ahmed Larib. Oui, historique, et puis à chaque fois, Mohamed Haouchine dit que le score de 2-0 à domicile est vraiment sécurisant. Là, on vient d'avoir la preuve par 10. C'est vrai que cette équipe de la GS Saoura, à l'extérieur, comme c'est dit souvent Djilali, elle voyage bien. Je pense que la qualification a été d'abord acquise au match aller à Saoura, Béchar, oui. Là, ils ont bien défendu, encaissé un but et se qualifier. C'est très intéressant pour la suite. Alors, un but qui a été enregistré par le joueur Abdelkabir Louadi à la 48e minute de jeu. Allez, oui. Je voulais juste souligner en tous les cas, tirer chapeau à cette équipe de la Saoura qui s'est brillamment qualifiée malgré tous ces gestes extra-sportifs de nos frères marocains. J'ai dit bien de nos frères marocains dans la mesure où des centaines de supporters de Tanger ont été accueillis fraternellement au match aller à Béchar. Malheureusement, ce ne fut pas le cas pour le match retour. Ou d'avoir refusé l'atterrissage d'un avion pour supporters qui voulaient faire la fête avec leurs frères marocains. On a même posé des problèmes à l'équipe de la GS Saoula dans la mesure où on l'a détourné, où l'avion a eu du mal à atterrir. Et puis, surprise, il devait prendre l'avion à Tanger. Vous savez que Tanger, c'est sur la mer Méditerranée, de l'autre côté. Puis, finalement, le vol a été annulé, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et malheureusement, l'équipe de la Saoula a effectué le trajet 350 km en bus. Je peux vous dire qu'ils sont arrivés la nuit. C'est tout à fait chapeau, en tous les cas, pour l'équipe de Saoula. Quant aux frères marocains, mais je pense que le football est un lien d'union, de fraternité, qu'il faut dépasser tous ces trucs-là. En tout cas, croyez-moi. Les clubs algériens, les clubs marocains ont toujours eu d'excellentes relations. GS Kabylie qui vient d'effectuer un très bon stage dans les installations sportives du Fethi Rabat et du Fus de Rabat. C'est comme ça qu'il faut concevoir le sport. Oui, tout à fait. En tout cas, les joueurs et les responsables de cette équipe et tous les supporters ont tout oublié. Donc, le plus important, c'est que la GSM Saoula a composté brillamment son billet de qualification pour le prochain tour. Bonne nouvelle aussi pour le football avec cette équipe, cette excellente équipe du CS Constantine, hein, qui est donc idem, hein, qui a réussi à décrocher son billet donc, de qualification. Touzi, c'est une équipe qui ne cesse de nous impressionner depuis le début. Bravo à cette équipe du CSC, on l'a démontré au match précédent. Même en faisant match nul à domicile, ils sont allés gagner à l'extérieur. Ils confirment ce résultat. Ce n'est pas le CSC qu'on voit en championnat, mais quand même, ils ont réussi à un résultat très, très positif. Et ils sont allés à la phase de poule. Je pense que le CSC a démontré qu'ils ont une solide équipe, surtout défensivement. C'est une équipe très organisée défensivement. Même en championnat, ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts. Ça démontre que cette équipe a de l'envergure africaine. Et je pense qu'il y aura renforcement, surtout offensivement, cette équipe pourra aller loin
dans cette Coupe d'Afrique. Alors, bravo pour l'équipe du CS Constantine et dommage pour cette équipe de Sidi Belabbès, l'équipe de l'USM Belabbès. C'était prévisible hein, dès le début que cette équipe ne pouvait pas aller plus loin que ça. Donc c'est une équipe qui se bat encore et encore dans ses problèmes au niveau du club, donc une équipe qui est sortie, on dit, prématurée. Vous savez, prématurée, mais ça fait partie de l'apprentissage, tout ça. La GS Saola, pour sa première expérience, n'est-ce pas, ils ont tenu deux tours, un peu comme l'US Belabbès. L'USM Belabbès, vous ne voyez pas que la GS Saola a pris de l'assurance, de la confiance, de l'expérience. Vous ne voyez pas qu'ils passent au pool, en tous les cas, félicitations, tout comme le CS Constantine qui voyage bien. Et c'est dommage, en tous les cas, pour cette sympathique formation de l'USM Belabbès, qui, comme vous l'avez dit, confronté malheureusement à de gros problèmes financiers. Vous savez, quand il n'y a pas le nerf de la guerre, quand il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le moral. Et quand il n'y a pas le moral, tout va à l'eau, malheureusement. Allez, on passe aussi à cette rencontre hier. Hein. On a fait ouf, c'était une rencontre de fou qui a vu le Nasr Hosseini décrocher brillamment, hein, brillamment son, hein, son billet de qualification. Donc un match où Hakim Keshloud et Ahmed Larribi nous ont fait vivre pendant ces 90 minutes plus les 5 minutes de temps additionnel. Donc c'était un match fou. Résumé de cette rencontre, donc Hakim Keshloud et Ahmed Larribi. Alors, voilà, nous allons, en attendant d'avoir ces images, hein, donc moi je fais un petit peu le marathon, là, parce qu'on n'a pas assez de temps. Vous avez regardé le match hier, Adlen ? J'ai regardé brièvement le match hier parce que je revenais de ma conférence. Parce que tout hier, à fait, vous hier, avez animé une conférence à la donc j'étais sur la route, donc en rentrant, j'ai regardé et brièvement la fin. Bon, j'ai vu qu'on était qualifié, donc j'étais très content. Parce qu'il faut savoir que dans les compétitions comme ça, ce n'est pas le club qui est représenté, mais c'est un pays tout entier qui est représenté. Donc, quand on regarde un match comme ça, on est plus supporter de Mouloudia, JSK, Oliosma, c'est l'Algérie qui est représentée. Donc, le plus important, c'est qu'on soit qualifié. Donc, je suis arrivé juste sur la fin. Oui, en tout cas, on vous invite à voir tout à l'heure, dans quelques instants, pardon, le résumé de ce match. Ahmed Larribi, vous m'avez dit, je suis très confiant, je suis très content, le football va bien. Comment ça un petit peu reprendre le niveau du moment où on joue bien à l'extérieur, à l'étranger, dans ce genre de compétition? Oui, c'est vrai. La semaine passée, on avait parlé en disant que nos quatre clubs se sont bien comportés, ils sont en bonne santé. Puis, comme l'a si bien souligné Mohamed, le SM Belabbès, c'était prévisible. Quand vous avez six joueurs qui ne se sont pas déplacés, donc ça a créé un certain déséquilibre. Et puis, c'est vrai que quand on prend une équipe comme la GS Saoura Wasila, c'est une équipe, il faut la prendre comme modèle parce qu'elle joue d'abord avec ses moyens du bord. Et puis, elle affiche une très très bonne santé, soit à domicile, soit à l'extérieur, malgré qu'elle a perdu 1-0. Mais il faut le faire, comme a si bien souligné Mohamed. Moi, j'ai entendu je sorte un peu des coquelins, pardon, voici là. L'entraîneur de cette équipe de Tanger, vraiment, il n'a pas été très gentil parce qu'il a dit que voilà, alors que le football, c'est. Je vous ai dit que ça, on ne revient plus parce que du moment où on est qualifié, on a réussi à composter ce billet de qualification. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Pour vous répondre, c'est vrai qu'actuellement, nos clubs qui sont engagés en Coupe d'Afrique, ils ont acquis une certaine expérience, une certaine confiance, ils sont sereins, ils sont lucides. Et puis, les joueurs sont en pleine maturité. C'est ce qui fait que. Quand je dis nos clubs, c'est-à-dire je m'adresse aux joueurs, ils ont compris qu'il faut d'abord se bagarrer, aller vers l'avant. Et comme le match d'hier du Net contre l'équipe les Green Eagles, Mohamed, c'est ça ? Green Eagles. Oui, ce qui m'a plu dans cette équipe de Net, verts, oui. Ce qui est intéressant aussi là, c'est qu'ils ont cru jusqu'à la dernière seconde. Puis c'est ça le football, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours garder l'espoir, quel que soit le résultat. Donc bravo au Net et bravo à l'entraîneur, M. Mohamed Lasset. Merci pour cette phrase, on garde toujours. L'équipe du Net qui est vraiment à féliciter. Vous savez, oui. Un but partout, ils étaient éliminés, ils ont fait 0-0 à match aller en Zambie. C'était un match fou. Je tenais à tout le dire pour tous ceux qui nous regardent ce soir, que les Zambiens sont très sportifs. J'ai eu l'occasion d'aller dans ce pays, vous savez, quand vous gagnez, ils applaudissent. Et c'est tout à l'honneur en tous les cas, 0-0 à match aller. Vous savez qu'un match, une qualification n'est jamais acquise, la preuve acquise, un but partout, il a fallu que ce sacré Gasmi qui s'est payé un doublé aille au bout de ses tripes pour arracher, c'est le cas de le dire, la qualification. Allez, bravo messieurs, je vous invite, je vous propose de revivre les meilleurs moments de cette rencontre dans ce résumé. Un commentaire avec notre ami Hakim Keshloud et Ahmed Larribi.
sur les 45 premières minutes de jeu. Attention, les matchs 0-0 ramenés de l'extérieur ont toujours été des scores pièges. Maintenant, vous voulez toujours... mettre des buts de Boussouf Khedine. Deux joueurs sont aux côtés du ballon. Moulanga, qui va certainement se charger de le botter, ce coup franc. Oui, le numéro 3. Ça, numéro 3. Ça devrait être un gaucher. Allez, Moulanga. Et également à ses côtés, je pense, le spécialiste également. Allez, c'est Moulanga qui y va. Moulanga la frappe et c'est la transversale. Et le but. Ouverture du score après seulement 3 minutes de jeu pour les Green Eagles sur ce coup franc. Il ne pouvait absolument rien faire. Il avait touché et c'est Moulanga qui marque ce but. C'est le numéro 3. Qui a frappé directement. Ah, il était sur la trajectoire. Boussouf, Mouaki, Dadil Hussein pour Harag, le centre. Ça a été dévié, attention pour la frappe peut-être. Ouf, la frappe qui est déviée. Ballon qui revient dans les pieds de Lwoltani, le centre. Et c'est sans problème pour le portier. Harag, Koufran rentrant. Ah, il préfère le donner à l'extérieur pour Alati. Alati qui revient sur Harag. Harag, le centre au deuxième poteau. La tête de Gasmi. Ouh, penalty. Que dit l'arbitre? Il y a position d'hors-jeu. Cal sur Mouaki. Mouaki qui revient dans le milieu de terrain pour Harag. La fin de Harag, la frappe et la parade du gardien. Avec Wartani. Au deuxième poteau d'El Wartani là-bas pour Schwitter. Et poussette, pénalty. Pénalty. Après 34 minutes de jeu. Pénalty pour les Sanyor et pour le Nasser Hussein sur cette faute commise sur Schwitter. Au grand bonheur des supporters du Nasser Hussein. Guesmi face à Justin. Guesmi, c'est dedans. Et l'égalisation après 36 minutes de jeu du Nasser Hussein Day face aux Green Eagles, l'équipe zambienne. De jeu, Harag, le corner au premier poteau. Ça passe où devant tout le monde. Et encore un autre corner, cette fois-ci sur le côté droit. Harag qui récupère ce ballon. Harag, la petite balle piquée. Il n'y a pas d'hors-jeu. Et la bonne sortie du portier avec Laribi. Il faut y croire. Allez, c'est passé pour Guesmi. Attention à Guesmi. La frappe au poteau. Oh, le poteau qui vient sauver le gardien. Joseph Moniukawa. Cette frappe de Guesmi. Mais attendant encore quelques secondes. Et le coup de sifflet final. Allez, encore un coup franc. La dernière chance. Des corners joués à la Rémoise très rapidement avec... Harag qui donne sur l'Arja, le centre au point de pénalty pour Guesmi, la tête de Guesmi, le but. Et le but de Guesmi est pratiquement la fin de cette rencontre. Le Nasser Hussein Day qui assure sa qualification au 16e de finale bis, a pratiquement coup de sifflet final. Ahmed Laribi, on avait dit, rien n'est fait tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Tout à fait, moi j'avais de l'espoir parce que j'étais optimiste, je savais que le football... Il est fait ainsi. J'avais compris que le football, il faut aller vers l'avant, ne plus jamais se décourager, ne jamais baisser les bras. Et puis... Allez, c'est en tout cas, quelle victoire, hein. Une très très belle victoire, Ahmed Touzi. Oui, il faut pas oublier qu'il y avait une bonne équipe en face, bien organisée défensivement. Peut-être le fait d'avoir encaissé le but en premier, il les a un petit peu déstabilisés et ont confondu entre vitesse et précipitation. Mais par la suite, ils se sont ressaisis. L'opportunisme et l'expérience de Guesmi ont fait la différence. Ah bon, en tout cas, bravo pour nos représentants dans cette compétition africaine. Et dommage pour l'équipe de Sidi Blabès, espérant qu'elle va se relever d'ici les jours à venir. Disons qu'à défaut d'un quarté, on se contente d'un tiercé. Tiercé, voilà. Allez. Bien vu, Mohamed. Hein, bien dit. Voilà, hein, c'est un grand, monsieur Ahmed. Alors, messieurs, nous allons passer maintenant de cette compétition continentale. Retour au Bercail avec cette compétition que tout le monde adore et que moi aussi j'adore. Tout simplement, on dit dame coupe. Voilà, donc dame coupe. Au moins, il y a une dame. Il y a le mot dame dans le football. Avec les compétitions des 32e de finale, ça sera juste après jingle. Alors messieurs, nous avons suivi ensemble ces matchs, hein. Il y avait beaucoup de matchs ce week-end, non, même pas le week-end, ça a joué pendant toute... 4 jours. Ça s'est joué durant toute la semaine. Ce qui a marqué cette journée, c'était la sortie
aussi de la GS, de la GS Kabylie. Donc nous allons parler de ça tout à l'heure. Nous allons suivre ensemble un bloc de 5 minutes avec pratiquement toutes les compétitions, tous les matchs. Alors je commence par vous, Ahmed Larribi. Pour vous, qu'est-ce qui a marqué cette journée? Oui, vous savez, la Coupe a toujours eu ce lot de surprises. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les petites équipes arrivent à se transcender et sont dans un état second. Ils oublient qu'ils sont petits, mais lors de la rencontre, et ils se mesurent au grand. Ça, c'est ça le charme de cette Coupe d'Algérie. Et puis, c'est vrai que la GSK a été éliminée au 32e. Mohamed m'a informé que c'est la 7e fois que cette équipe de la GSK sort au 32e. C'est ça, Mohamed? Oui. Puis, ouais, c'est là ce qui est intéressant, c'est que le plus important, c'est quand on voit ces équipes petites, soi-disant, entre guillemets, savourer la qualification, c'est l'hystérie totale, c'est tout le monde est fou de joie. C'est ça le charme de cette Coupe d'Algérie, que je trouve vraiment très intéressant. Il n'y a pas de fort, il n'y a pas de faible, tout le monde est au même diapason. C'est ce qui fait ce charme. Le rêve est permis, Ahmed. Le rêve est permis, mais la réalité en est une autre. Tous y Djilani. Bon, apparemment, il n'y a pas eu beaucoup de surprises. Les favoris sont tous passés, à l'exception peut-être de la GSK. Moi, ça m'a vraiment... c'était inexplicable, la défaite de la GSK. Moi, je pense qu'il y a deux probabilités. Moi, je pars sur le plan technique. Mm-hmm. C'est que soit on a sous-estimé cette équipe et on était confiant. Et je pense que ça m'étonnerait que ça soit ça. Ou bien, moi, je pense que c'est sur le plan de la récupération qu'il y a eu problème au niveau de la GSK. Ou après le stage du Maroc, je pense que les joueurs n'ont pas eu assez de temps pour récupérer. Je pense que la GSK a perdu ce match sur ce plan-là. Donc, tout le monde est d'accord que la GSK est sortie très tôt de cette compétition. Oui, Ahmed l'a dit et je l'ai dit, je l'ai écrit cette semaine. La GS Kabylie est sortie 7 fois au premier tour, en 32e, mais aussi 3 fois en 16e de finale, alors qu'ils étaient qualifiés d'office, c'est-à-dire au premier tour. Ceci dit, vous savez que la Coupe reste la Coupe. Faut-il rappeler que cette équipe du CREC de Constantine, qui évolue à l'époque en régional, a joué une finale de Coupe d'Algérie à l'époque, face au Mouloudia d'Oran. Vous avez des équipes de D2 qui ont remporté la Coupe d'Algérie. Je parlais de l'USM Al-Harach à l'époque, en finale face au Wydad de Tlemcen, avec les Markovic, la grande équipe de Tlemcen. Vous avez l'équipe de Bnitour qui a gagné, cette équipe du Sud qui nous a fait plaisir à l'époque, en tous les cas, première l'équipe grande de Michelia, victoire. Voilà, je me rappelle maintenant, c'était aussi l'équipe Michelia qui a joué une finale contre l'USMA, l'équipe de Michelia du Sud-Ouest. Oui, CMB Michelia. Tout cela, en tous les cas, l'équipe de l'USMS qui a disputé aussi une finale. Tout cela pour vous dire que la Coupe, ça a toujours été une prochaine surprise. Bon, maintenant, il ne faut peut-être pas accabler cette jeune équipe de la GS Kabylie. Son entraîneur l'a dit, c'est une équipe jeune, en voie de formation. Il ne faut pas l'accabler. Il a dit, on perdra encore des matchs. On perdra, malheureusement, ils ont mal choisi de perdre ce match en 32e de finale de Coupe d'Algérie. En tous les cas, je peux vous dire que cette semaine, on aura encore d'autres surprises. Ça, c'est moi qui vous le promets. Alors, Adlen, vous aussi, vous suivez un petit peu la Coupe d'Algérie, pratiquement oui, les sûr, rencontres. Bien sûr, j'ai suivi, mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu ça aussi la beauté, le charme. Vous avez un club que vous suivez un petit peu de près sur le championnat algérien. Le cœur, voilà. En fait, je vais vous répondre de façon professionnelle. C'est un avis, allez. Carte sur table. Allez. J'ai été élevé par mon grand-père qui était un fervent supporter de la GSK. J'ai mon père qui est pour le Mouloudia d'Alger. Allez, on a tout compris. Vous êtes à côté j'ai une famille où tout le monde aime tout le monde. On a compris que vous êtes à côté. Il est diplomate. Je suis tout le monde avec un grand intérêt, donc voilà. Mais c'est aussi le charme, vous savez, le charme de la Coupe nationale, c'est qu'il n'y a pas d'hiérarchie. Le petit peut battre le grand perd contre le petit. Et c'est ça aussi le charme de la Coupe, et c'est ce qui fait un peu l'ambiance tout de cette compétition. Tout le monde peut rêver. Vous savez qu'Adlène vit en France, je veux rappeler juste que dans l'histoire fabuleuse de la Coupe de France... C'est un Algérien. Oui, je il sais. Il insiste sur ça. Ça, je le sais. Il a signé son algérianité. À l'époque, moi, j'étais tout gosse. La grande équipe du Stade de Reims, des Romain Coppa, du Just Fontaine, qui écrasait le football français à l'époque, durant la guerre d'Algérie. Vous savez qu'un jour, il s'est fait éliminer par qui? Par une jeune équipe, la GS Elbiar. L'équipe d'Elbiar, à tel point qu'aujourd'hui, l'équipe d'Elbiar figure dans
l'histoire de la Coupe de France, à un tel point que chaque année, quand il y a une petite équipe de France qui élimine une grande équipe de Ligue 1, on dit que c'est le LBR 2018. Ça, pour vous dire que c'est ce qui fait le charme de la Coupe. Merci pour l'information. Oui, bien sûr. Le fait de surprise existe, c'est, je suis entièrement d'accord, Mohamed. Mais là, c'est, on perd par pénalty, on perd un but d'écart. Je suis entièrement d'accord, là, la surprise, elle existe. Mais là, perdre 2-0 devant une équipe de la régionale, je crois, il faut se poser la question. Ce jour-là, l'équipe de la GSK était out. Donc je pense que les joueurs n'ont rien fait pour gagner. En tous les cas, ça a été un cauchemar pour la GSK. Vous donc, savez que vous qui êtes spécialiste de football, Djilali, lorsque vous êtes mené à 1-0, que vous allez à l'abordage, vous jouez toutes vos cartes, bien évidemment, on se dégarnit derrière, ça passe ou ça casse, ils ont pris ce deuxième but. Non, je voulais dire, on n'a pas vu le vrai image de la GSK bien évidemment. Du championnat. Bien allez, sûr. Tout à l'heure, je vous promets que nous allons revoir ces images de la GSK Kabylie. Ça sera juste après ce gros plan que Hakim Kechout a réalisé durant cette rencontre, ce derby algérois qui a regroupé le Mouldé d'Alger avec cette grande équipe, cette école du RC Kouba en premier tour. Donc, et c'est cette équipe, cette jeune équipe, cette équipe de la GS de l'RC Kouba pardon, qui s'est inclinée face au Mouldé d'Alger 1-0. Nous allons voir tout ça dans ce résumé que Hakim Kechout nous a bien concocté ce soir. Pendant un quart d'heure. Et ils étaient même les plus proches de l'ouverture du score. Il faut dire que l'action ratée par Bouguerwa, qui a vu son ballon frôler le poteau, était une occasion en or de pimenter la rencontre. L'expérience des joueurs du Mouloudia a fait la différence, puisque pour la première véritable occasion, Nebarakou ne s'est fait pas prier pour mettre le ballon hors de portée du gardien de but Djemeli à la 16e minute de jeu. Cette ouverture du score n'a pas vraiment touché le mental des hommes de Zardoud qui ont continué à jouer sans complexe. Ils se sont même offerts deux occasions de revenir au score, mais sans y parvenir. Comme lors du premier but, les Koubiens ratent, les Mouloudiens marquent. Derarja a également décalé l'avant-centre Swiba au deuxième poteau, dont la reprise de la tête a pris à défaut le portier Djemili à la 28e minute de jeu. La dernière occasion pour cette première période fut à l'actif du Raïd de Kouba, mais l'inefficacité a encore privé le club de la réduction du score. Après la pause, les Verts et Rouges n'ont pas donné l'occasion aux Koubéens de reprendre espoir en portant le coup de grâce à cette équipe du RCK. Un troisième but signé toujours Swiba à la 47e minute de jeu. Un troisième but qui a complètement assommé les hommes de Mounir Zardoud. Les Mouloudiens ont pratiquement fait cavalier seul par la suite en gérant intelligemment le reste de la rencontre, même s'ils avaient d'autres opportunités d'ajouter d'autres buts. Une qualification méritée pour les Verts et Rouges qui vont poursuivre leur aventure dans l'épreuve populaire en se rendant à Dijel pour affronter le CR Village Moussa, alors que le RC Kouba, pour sa part, va se concentrer exclusivement sur le championnat afin de sauver l'équipe de la relégation en division nationale amateur. Donc voilà, c'était ce derby algérois et on parle toujours du public. Quand même, le RC Kouba n'arrive pas à avoir son public d'antan, Haouchi. Oui, mais aux dernières nouvelles, les supporters koubéens étaient mécontents de la programmation ce samedi 5 juillet. Ils tenaient à jouer ce match au niveau du stade de Ben Haddad. Les dirigeants ont bien évidemment en vue peut-être l'aspect financier, jouer dans un grand stade. Moi, je pense que les supporters koubéens auraient dû accompagner fidèlement leur formation, qui s'est bien battue, il faut le dire, face à cette équipe du Mouloudia d'Alger, constellée de vedettes. En tous les cas, Hakim Kechout a bien fait de dire que le RC Kouba a tout intérêt à s'occuper du championnat pour sauver, confirmer sa place en Ligue 2 professionnelle. En tout cas, jouer au temple du 5 juillet, ça ne peut que faire du bien et c'est un plaisir, un honneur à un joueur algérien de jouer sur la pelouse du stade du 5 juillet. Nous avons parlé tout à l'heure de la GS Kabylie. Nous allons voir en image cette rencontre. Nous allons voir comment la GS Kabylie s'est inclinée et qui est sortie très tôt de cette compétition de Dame Coupe. Voilà, merci Youssef. Donc, voici les images.
comment cette équipe, cette grande équipe, tout le monde espérait que cette équipe allait jouer sur les deux fronts, le championnat et la Coupe d'Algérie aussi. Oui, surtout, c'est le finaliste de la précédente édition. Tout donc, c'est une équipe qui a de l'expérience. Moi, je l'ai dit, je le répète encore une fois. Cette fois-ci, ils étaient à côté. Ça reste, le point d'interrogation reste posé. Et je pense que cette équipe de Riss mérite sa victoire par rapport au contenu du match. C'est la surprise. Ouais. Allez, regarde avec beaucoup d'admiration. Je pense que vous avez venu. C'est tout à l'honneur, en tous les cas, de cette équipe de Riss d'avoir éliminé un grand, prestigieux club qui s'appelle AJS Kabylie. Mais je tenais à signaler ce soir ce que nous a déclaré le porte-parole du club, Mouloud Aibout. Il dit attention, l'équipe de Riss a gagné sur le terrain, qu'on ne trouve pas d'excuses. L'équipe de l'AJS Kabylie a été reçue royalement à Riss. Vous savez que les dirigeants de Riss ont été jusqu'à offrir les vestiaires de l'équipe Fagnon à l'AJS Kabylie. C'est comme ça qu'il faut concevoir la Coupe d'Algérie. En tous les cas, félicitations à cette équipe, même si la JS Kabylie a vu son jeune stratège Oukassi avoir eu un choc au niveau du nez. Je pense qu'il a une fracture nasale et doit se faire opérer en cours de semaine. L'équipe de la JS Kabylie, on le donne en direct ce soir, en scoop. La JS Kabylie qui a fait signer ce soir pour 3 ans le meneur de jeu de l'AS Aïn Mlila, Mohamed Ben Chaïra, qui évoluait jusque-là à la JS Mbejaï. Il a été en tout cas transféré cet été à l'AS Aïn Mlila. La JS Kabylie cherchait justement un milieu offensif créateur. Vous savez que les attaquants de la JS Kabylie, notamment les deux Africains, Uche Houston et Fiston, reprochent donc à leur équipe qu'il n'y a pas de créateur, de passeur décisif de leur offrir des buts. Ça joue bien en défense, il faut le dire, ça joue bien au milieu de terrain, mais c'est vers l'avant que... Donc, je pense que c'est le prototype de joueur que cherchait Franck Dumas. Il l'a eu ce soir. On reste donc toujours avec cette Dame Coupe, avec ces matchs. Cette équipe de Beni Douala Ahmed Larribi, qui a quand même fait parler d'elle cette semaine et durant depuis le tirage au sort des 32e de finale de Coupe d'Algérie. Oui, c'était l'équipe qui a fait parler d'elle et elle va encore faire parler d'elle parce que c'était une équipe qui... Il y a de très très bons petits joueurs qui jouent bien au ballon. Vous savez, c'est une équipe qui a failli accéder l'année passée. Deux reprises. Oui, deux reprises. Je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi, à mes yeux, c'est vraiment inexplicable. Mais je peux vous dire que le prochain match, elle va recevoir Paradou. Ça va être un véritable match de Coupe d'Algérie avec de véritables sensations. Très bien. Donc, oui, Touzi. Non, je voulais répondre. Allez, c'est pas grave. Donc voilà, nous allons passer dans quelques secondes. Nous allons suivre ensemble le programme des 16e de finale avec vous, Youssef. Nous allons voir les matchs qui auront lieu cette semaine. Donc quelques rencontres. USM Annaba, MB Bazar Sakhra, par exemple. Donc vous avez avec vous les tableaux, messieurs. Cette équipe aussi de Amel Boussada qui va affronter l'entente de Sétif, l'USM Al-Harraj qui jouera face au MOB de Béjaïa, l'AS Aïn Mlila qui jouera face au GSM Béjaïa, donc le Paradou AC va affronter cette équipe de l'US Beni Douala, l'USMA d'Alger qui jouera face à l'USM Blabès ou le MC Chachel et le CR Village Moussa qui affrontera l'équipe du Mouloudia d'Alger, une rencontre qui aura lieu l'année prochaine, ça sera le 1er janvier. Oui, et si vous voulez, voici là, si vous me permettez, je vous invite à aller voir ce match entre Village Moussa et le Mouloudia d'Alger. Ça va être un véritable match. C'est de quel côté ça va? C'est Djidjel. Village Moussa, je pense qu'il est à 5-10 km de la ville Djidjel. C'est un véritable match de coupe avec beaucoup de sensations et c'est un style de Coupe d'Algérie. Je vous invite à le voir. Une information importante, ce match a été domicilié officiellement au stade de Djidjel, un grand stade. Tout à fait, et les dirigeants de Village Moussa donc, n'ont pas voulu donc, limiter les quotas. Ils ont demandé aux supporters de Mouloudia de venir faire la fête. C'est-à-dire que le Mouloudia va bien être accompagné par des milliers de supporters à Djidjel, au stade en de Djidjel. En tout cas, c'est le but, hein, c'est ça. C'est la fête. Football, c'est de se retrouver. Et c'est ça la magie, Adlen, de la Coupe d'Algérie. De la Coupe, enfin, en la général. Magie de la Coupe d'Algérie, j'ai envie de vous dire, toutes ces informations qu'on a par rapport à la Coupe, ça serait bien que c'est des choses qu'on voit aussi en championnat, parce que le football reste avant tout une fête.
que tout le monde doit partager. Donc on gagne, on perd, mais le plus important c'est que c'est une passion qui doit tous nous rassembler. En tout cas, c'est notre devise, le fair play, hein, et toujours que le football est un spectacle. Messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Hein, ça passe très très vite. Avant de vous donner la parole et le dernier mot, donner le mot à notre invité Adlène Bouabech, Ahmed Larribi, ça a été court ce soir? Vraiment très court. Je pense qu'on a comment été... on a réussi à faire le tour. On a fait un véritable tour d'horizon. Je voudrais tout simplement dire un petit mot pour monsieur Bouabech. Moi, ce que je trouve intéressant en lui et surprenant, c'est que malgré son jeune âge, il s'occupe de la formation. C'est vraiment très intéressant. Je vous souhaite bon courage parce que moi, je suis un adepte de la formation. J'aime bien avoir des contenus au niveau des catégories jeunes parce que c'est... On dit que la tranche d'âge de 12-15 ans, c'est l'âge d'or des acquisitions. Je pense que vous en savez quelque chose. Ah. Bien sûr, ça, on est en plein dedans. L'âge d'or des acquisitions, sur tous les aspects, sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan physique. Faut savoir que la formation est une chose qui se fait en trois étapes. Donc il y a l'école de football, la pré-formation et après la fin de la formation. Et chaque étape a sa façon de travailler qui est bien différente. Moi, ce que j'aimerais dire par rapport à la formation, c'est que nous avons de très bons éducateurs et de très bons formateurs ici en Algérie, malheureusement, qui sont trop marginalisés. Et nous avons de très bons formateurs et de très bons éducateurs algériens qui sont à l'étranger, qui ne demandent qu'une chose, c'est de venir aider leur pays, qu'ils aiment du plus profond de leur cœur. Et je pense que en rassemblant nos forces, quel que soit le pays dans lequel on travaille ou quel que soit dans le pays dans lequel on est dans le club, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, mais c'est une question de travail. On n'y arrivera pas sans travail. En tout cas, nous, on a confiance en vous et à d'autres jeunes qui participent à la formation et à la réussite du football. Touzid Djinali, merci. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, moi, je... Pour Adlène, moi je pense que là, l'initiative qu'il a prise, c'est très encourageant et c'est en votre honneur. Parce que là, on a plein de jeunes, plein de talents, plein de pattes. La patte existe, le talent existe, il reste que le travail qui doit payer. Je pense que vous êtes sur la bonne voie, continuez. Voilà, donc encouragé par deux grands messieurs qui connaissent très très bien le football. Mon ami Mon frère, comment faire? Vous allez prendre la route pour aller. Vous savez, nous sommes en direct. Hein. Comment faire pour aller prendre la route jusqu'à Tizi Ouzou? Oui, ça a été surpris. Oui, à Tizi Ouzou, je suis juste à côté de Ted Mate. J'ai eu du plaisir, en tous les cas, à côtoyer ce soir notre ami Adlène Bouabech. Ted Mate, qu'on appelait autrefois Camp du Maréchal. Le Camp du Maréchal, exactement. À une dizaine, une quinzaine de kilomètres de Tizi Ouzou, avec un club, la JS Ted Mate, qui a, vous savez, un demi-siècle d'existence, un ancien club de la Wilaya, qui a toujours été une pépinière, en tous les cas, ce qui est toujours bon à noter en matière de formation, Adlène. Hein. Exactement. Mmh. Un club dans lequel j'ai fait ma première conférence, d'ailleurs, et qui a donné énormément de bons joueurs à tous les clubs aux alentours. Exactement. Allez, Adlène, merci beaucoup. Merci d'avoir assisté, accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vous laisse le mot de fin. Ben écoutez, j'aimerais vous dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toute une question de travail. Donc nos voisins ont réussi en faisant confiance à leurs enfants à travers le monde. Et ce serait bien que nous faisions la même chose. Et puis beaucoup de pays seront derrière nous et non devant nous. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de chance et merci pour tout. Et on espère qu'on restera en contact pour avoir de vos nouvelles et de tout ce que vous faites pour ces jeunes encadreurs et ces jeunes formateurs de football. Avec bonne chance et merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et je vous remercie aussi d'avoir suivi notre émission. Je vous rappelle, vous étiez en direct avec nous. Si vous voulez revoir l'émission de ce soir, Canal Foot, avec notre invité Adlène Bouabech. Donc, vous n'avez qu'à taper sur ses adresses YouTube et l'adresse Facebook de Canal Algérie. Merci à vous. Si vous permettez, messieurs, je voudrais juste souhaiter ce soir, je voudrais féliciter monsieur et madame Boumabdes Amin et Derine pour la naissance du petit Adam. Je voudrais aussi souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite sœur Ladia Batish Sari. Et à son ami aussi, à notre ami Anissa Guesmi-Cheradi de Paris. Et sans oublier ma petite fille, mon petit cœur, Melek Cécilia, qui fête ses 6 ans ce soir. Maman, Inch'Allah, arrive. Attends-moi, on va souffler ensemble des bougies. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.
Je vous souhaite une très très belle et douce nuit. Bye.